Pour la première fois en 42 ans, les électeurs d'Abitibi-Ouest ont décidé de changer l'histoire. L'élue caquiste Suzanne Blais défendra dorénavant les préoccupations de son comté, mais préfère attendre son chef avant de se prononcer sur les dossiers prioritaires. J'attends, je vous réserve la surprise lorsque nous aurons rencontré M. Legault. La lutte a été chaude entre Suzanne Blais et celui qui espérait succéder à François Gendron. Elle a remporté à 34,11 % des voix contre Sylvain Vachon à 33,25 %. Je veux souligner aussi le travail extraordinaire de M. Gendron. M. Gendron a été dans le comté pendant 42 ans. C'est un grand homme. Il laisse la table bien mise. Alors, à moi de continuer. Le libéral Martin Veilleux a mordu la poussière. Lui qui s'est présenté en 98 où il a terminé en deuxième derrière Gendron, a finalement terminé quatrième avec 11,31%. Je ne veux pas perdre une troisième fois. Ça fait mal. C'est pas drôle. Une chose est sûre, l'ère Gendron est finie et les citoyens d'Abitibi-Ouest veulent eux aussi un changement. La vague a eu le dessus. On se rappelle de l'effet Jack Layton. On s'en souviendra au fédéral. Alors, c'est un peu pareil. Quand les gens décident qu'ils changent, ils changent. Puis peu importe le candidat, ça n'a pas d'importance. C'est difficile de comprendre le virage. On parle d'idées de fond du point de vue de la CAQ. À ce niveau-là, pour la région, je n'ai pas senti aucune idée de fond. Les proches de la première femme élue députée dans le comté croient qu'elle représentera bien la région. Et vous allez être grandi de ce qu'elle est, ma sœur. Moi, je peux vous dire bravo si vous avez voté pour elle. Vraiment très grande fierté pour ma mère qu'encore ce soir, continue à nous épater. Très heureuse parce que moi, j'ai toujours élevé mes enfants. Quand il y avait une idée, un projet, foncez, lâchez pas. Puis Suzanne, je savais qu'elle est fonceuse, elle est comme moi. Mélina Djoubilaro, RNC Nouvelles, Amos.